Ok yo, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des World Records sur ma map qui s'est terminée le dimanche 26 mai. Donc de toute façon, il n'y a pas eu de record entre le dimanche 26 mai et le mardi 28 mai, à la date à laquelle je tourne cette vidéo. Donc je suis désolé si cette vidéo sort 3 jours plus tard, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de la tourner avant et je voulais attendre vraiment le dernier moment pour savoir s'il n'y avait pas des World Records qui allaient être faits au dernier moment. Avant de commencer, j'ai deux ou trois petits trucs à dire. Tout d'abord, dites-moi en commentaire si vous voulez que je sorte des vidéos, par exemple, où je fais des 25 kills en solo duo, etc. Je le sors pas tout simplement parce que bah, ça ferait beaucoup de vidéos en fait, et j'ai pas envie de mettre des vidéos pour dire de mettre des vidéos sur ma chaîne. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse en plus des vidéos comme celle-là. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez. On est 33 000 sur la chaîne, ça commence à être énorme. 33 000, je m'en rends pas compte. Enfin bref, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent mon code créateur ZFAR. On est bientôt 1000 soutiens. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1000. Aujourd'hui, j'ai regardé, on devait être 812, il me semble, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre mon code, comme ça on peut atteindre les 1000. Et du coup, on passe directement avec la vidéo. Juste petite question comme ça. J'ai mis une musique en fond là, celle que vous entendez derrière ma voix, celle-là. Vous préférez celle-là ou alors chill, lofi, hip-hop, c'est celle que je mettais pour les autres vidéos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc la première personne qui a gagné donc cette map edit, c'est le joueur mobile HLP qui a fait 7 minutes 19 au compteur, donc c'est juste insane. Pour respecter le jeu en fait, comme la récompense c'est une pub, je vous demanderai vraiment d'aller vous abonner à leur chaîne. Je pense que si jamais c'était vous qui avez gagné, vous aurez vraiment aimé que les gens s'abonnent à votre chaîne, donc faites de même pour eux. Donc il y a HLP, puis il y en aura d'autres dans la vidéo que je vais vous montrer évidemment. Donc évidemment sur les cônes là, bah, c'est très fluide, il n'y a rien à dire. Là les 90... En fait, je comprends pas comment sur une tablette ou un mobile ou quoi, on peut faire des 90 comme ça en fait, rien qu'avec des doigts, c'est bizarre. Juste en touchant un écran en fait. Bah écoute, en tout cas, GG mec, c'est hyper stylé. Tu te boostes même. Ok, la descente c'est très clean. Hein. En fait, je tenais à vous dire ça parce que ce mec, il a fait 7 minutes 19 et mon record sur ma map c'est 7 minutes 23. Donc il m'a pratiquement battu, on va dire. Alors qu'il est sur mobile. Comme quoi les joueurs mobiles, il y en a, ils sont très 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 solides. Hein. Ok, bon bah là, nickel. Hein. Très très fluide la descente. Il fait exactement les bonnes épreuves. C'est très propre, mec, bien joué. Ok. Laisse-la-y. Bien joué, en tout cas, là c'est hyper propre. C'est respecté, double sol escalier mur, double sol escalier mur, double sol escalier mur. Ok, bah c'est parfait. Il fait sur deux parce que c'est pour ça en fait, j'ai un petit dilemme vers la fin de la vidéo pour les joueurs PC je crois, enfin en tout cas clavier souris, il y a un problème parce qu'ils ont fait que sur un, mais c'est à vous de juger qui va gagner etc. Bon je vous expliquerai après, mais en tout cas lui il a fait sur deux donc il a totalement respecté, c'est très propre. Ok, rien à dire, il s'arrête même pas, il se booste, escalier sol escalier mur c'est nickel aussi. Escalier sol, escalier mur. Ok, bah c'est parfait, mec. Franchement, j'ai rien à dire. Hein. Ta pub, tu la mérites largement. Ok. Donc là, le shoot. Je vais voir ce que ça donne. Ok, c'est pratiquement sans faute. Franchement, rien à dire. Et il va le faire qu'avec deux armes. Hein. Putain, bien joué. Et puis regardez, en fait, le joueur mobile, il a vraiment tout respecté. C'est pour ça qu'il y en a d'autres dans la vidéo, ils ont pas tout respecté, et c'est pour ça que j'ai besoin de votre avis. Lui, lui la pub, il l'a largement. Lui, il a gagné, il n'y a rien à dire. HLP, gros GG à toi. Et du coup, on passe sur un 7 minutes 19. Bah écoute, je mets ta chaîne en description, et j'espère que vous serez nombreux à aller voir sa chaîne. Donc, on passe directement sur le joueur manette. Donc, il change de mode avec carré, ça c'est très rare, j'avais rarement vu. En tout cas, c'est Dead YouTube. C'est pareil, je mets sa chaîne en description. Allez vous abonner, c'est hyper important. Parce que y a rien, comme je l'ai dit, il n'y a pas de cash prize, il n'y a rien pour l'instant. Donc c'est vraiment la récompense qu'il faut leur donner. Ils ont certainement beaucoup travaillé la map pour arriver à ce niveau-là. Bon là, c'est hyper propre. Tu m'excuseras aussi, Dead, si t'avais mis une musique de fond pour ta vidéo. Je me suis permis de la retirer. Parce que j'ai pas envie de me prendre de strike ou quoi. Bon, les 90, il fait exactement les mêmes que moi. Ok, bah c'est parfait. Le petit boost. Il est dit avec elle. Ok, elle c'est pas mal non plus. Personnellement, moi c'est pad. C'est peut-être parce que j'ai des grands doigts que j'ai dit tech pad, je sais pas, mais en tout cas ça me va bien. La descente c'est très très fluide. Je sais plus, il a fait combien, c'est dans les 7,40 je crois. C'est très très fort. Franchement, 7,40 je pense que jamais je pourrais le faire. Parce qu'en soi, ma map je l'ai pas vraiment tryhardé. Hein.
Je l'ai fait quelques fois, j'ai fait 7-23, mais sinon, je l'ai pas vraiment tryhardé. Ok, la Slazy qui passe. Tu dois avoir un problème en fait, je crois que c'est parce que ta touche pour confirmer doit être pas loin de ta touche pour ouvrir le classement. Et c'est pour ça que ça s'ouvre souvent. Ça c'est une habitude à prendre en fait depuis le mettre. Donc là t'as fait que sur 1. J'ai vu d'autres joueurs manettes qui ont fait sur 2, mais leur temps était bien moindre par rapport à lui. Je pense pas que si t'avais fait sur 2 t'aurais perdu vraiment 20 secondes quoi, mais... Après c'est de ma faute hein, dans ma vidéo de base j'avais pas mis cette épreuve. C'était une erreur au montage. Là maintenant sur mes montages je suis vraiment clean, j'essaye de plus oublier. Ok, double, ouais nickel, franchement nickel. Après ça sur manette je pense que c'est le plus facile à faire. Hein. C'est juste appuyer sur des gâchettes. Donc franchement, ça c'est très très chaud. Franchement, c'est ultra fluide, rien à dire. Le shoot, on va voir le shoot. 1, 2, 3. Ok, c'est pareil que le joueur mobile, pour l'instant c'est presque imperfect. Ok. Et bah punaise, en deux armes. Alors là, ici t'as tout respecté, franchement c'est parfait, bien joué. Et puis... La descente c'est... Mais franchement, je l'ai répété je sais pas combien de fois, mais la descente c'est ultra fluide. 7.39. Bah punaise, GG mec. Je mets ça chez en description. Vraiment, j'espère que vous allez la voir et vous abonner en masse parce que c'est la récompense. On passe directement sur le clavier souris. Donc là, il y a une petite ambiguïté. Donc il y a Fox Voxel qui a fait 7.52, mais il a fait des erreurs. C'est-à-dire il a pas respecté des choses que j'avais dit. Et après, on a pareil quelqu'un qui a fait 7.51, mais qui a fait moins d'erreurs, mais il en a quand même fait en fait. Donc là, t'as perdu du temps, c'est pas grave, t'as quand même fait le record. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon onglet communauté, je mettrai un petit vote en fait. Soit vous votez pour Fox Voxel qui gagne, soit pour l'autre que je présenterai juste après. Et ce sera à vous de dire qui a gagné. Donc là, je vais présenter les deux, parce que les deux ont été très 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 chauds. Grosse dédicace à Radic aussi, Radic qui a fait 7.49, mais qui l'a pas vraiment beaucoup tryhardé, je pense non plus la map. Mais sinon, ces deux joueurs-là sont hyper solides. Mais malheureusement, c'est dommage que sur la fin, vous avez voulu faire trop vite, je pense, quitte à gagner une seconde, mais à faire des erreurs. C'est justement ça le défaut. Donc là, bah, y a rien à dire, ça c'est parfait. Slazy, hop. Double sol Excalibur qui passe. Sur clavier souris, apparemment, c'est plus dur de le faire que sur manette. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, peut-être. Donc là, voilà, il fait que sur 1. Donc ça, à la rigueur, c'est pas vraiment une erreur que je peux dire, parce que... Bah j'avais oublié de préciser, même si jamais je l'avais précisé dans une autre vidéo. Mais enfin bon, on va dire que vous l'avez peut-être pas vu. Bon ça normalement, vu le temps que les créateurs de MapEdit le font, ça doit être maîtrisé pour tout le monde je pense. Ok, ça passe nickel. Escalier sol, escalier mur. Le petit boost, ça j'avais dit qu'on avait le droit. Nickel, ok parfait. On va voir le shoot. C'est un petit peu en mode bourrin, mais si c'est efficace. Bon, c'est un peu en mode bourrin, mais tu touches bien quand même. Franchement, GG. Je sais pas si t'as une aide à la visée, mais... Donc là, vous voyez, il en oublie un à gauche, un à droite. Et malheureusement, ça, je m'étais bien arrêté dessus. Et j'avais dit qu'il fallait bien tous les mettre. Ça, c'est un train pour le mode arène. Imaginez si en mode arène, vous faites ça en fin de game, bah vous êtes mort. Donc on a le deuxième joueur clavier souris qui pour moi aussi une place dans cette vidéo, c'est Ten Shin Han. En tout cas bien joué à toi parce que t'as fait vraiment un bon temps. Je trouve que t'es hyper fluide et hyper rapide, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je pense que c'est parce que tu joues avec une grosse sensi, mais t'es très fluide avec ta sensi, donc ça c'est vraiment un bon point. Les 90 c'est pareil, j'ai rien à dire dessus. Bah de toute façon après je dis beaucoup que les gens sont fluides etc, mais c'est les gagnants donc c'est vraiment les meilleurs de la map. Et ils ont fait vraiment un temps limite imbattable. Je pense que si vous mettez des Natouk ou des Doxy sur une map comme la mienne, je pense que vous auriez pas pu battre, allez peut-être vraiment grand maximum 8 minutes, mais c'est vraiment impossible je pense. 8 minutes ça aurait été approchable, mais intouchable. C'est beau ça non? Donc ici, pareil j'avais oublié le cut au montage, du coup bah vous allez tous vers la fin mais c'est pas grave. La Slazy qui va se faire, tranquille, nice. En fait, ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai l'impression que tu fais bien moins d'erreurs que la personne d'avant. Et pourtant, t'as fait un temps plus bas, en fait. C'est bizarre. Donc là, il est fait sur 1. Donc là, je peux pas reprocher, comme je l'ai déjà dit plein de fois.
C'est très rapide, en tout cas, même si c'est sur 1, on a l'impression qu'il est en chute libre. Ok. Ça, c'est assez facile, je peux rien dire. Escalier sol, escalier mur. Escalier sol, escalier mur. Et pour la deuxième map edit que je vais faire, où là, il y aura un cash prize. Bon, ça sortira pas maintenant, mais c'est en préparation. Il y aura une technique qui est genre en mode escalier, escalier, mur, mur, escalier, escalier. Enfin, vous allez voir. C'est un truc assez compliqué, mais quand on a la technique, ça va. Est-ce que tu touches bien? On va voir. Ah, c'est horrible parce que ton curseur, il est vraiment juste à côté. Hein. Genre, on a l'impression que t'es dessus, mais ça touche pas. Hop, hop, hop. Ok, bon bah... La dernière balle, t'as eu de la chance. Donc là, il en oublie un à gauche. Et un à droite. C'est comme l'autre. Mais le problème, c'est qu'il a fait... 7,51. Et dommage parce que je pense que si t'avais pas rechargé à la fin, ça t'aurait fait 7,52. Donc, dans les commentaires, vous allez me dire qui vous pensez qui doit gagner le clavier souris. Je mettrai un petit post dans l'onglet communauté et vous pouvez voter à ce moment-là. Donc en tout cas, je mets les chaînes des gagnants en description. Vraiment, c'est hyper important que vous alliez vous abonner à leur chaîne pour les soutenir parce que déjà, ils ont beaucoup travaillé la map, je pense, mais aussi c'est les gagnants. J'avais annoncé que les gagnants gagneraient une pub et du coup, il faut que cette récompense... Et une certaine valeur, si vous comprenez. C'est-à-dire que si jamais il gagne, mais il gagne 10 abonnés, ben, ça n'a pas d'intérêt, vous voyez. Je pense qu'il faut vraiment que le maximum de personnes aillent voir leur chaîne, quitte à rester des abonnés actifs. Par rapport aux deux joueurs clavier souris, j'ai mon petit avis. Personnellement, je pense que les deux méritent une pub. Ils ont tous les deux travaillé la map et ça se voit, ils sont ultra fluides dans les mécaniques, etc. Et en plus, le dernier à la fin, c'est parce qu'il avait son arme en main et ça a voulu recharger. C'est pour ça qu'il a fait... 7,51, il aurait pu faire 7,52 je pense. Donc je vais mettre dans l'onglet communauté un vote, soit pour l'un, soit pour l'autre, ou pour les deux. Personnellement j'aurais eu tendance à mettre les deux. En tout cas, comme j'ai dit juste avant, les chaînes sont en description, et du coup moi je vous dis à plus.